Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous... Oh, bah j'avais oublié que j'avais la lumière sur mon téléphone, donc hop, je l'enlève. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes samedi 16 mars et il est 21h43. Voilà, je vous reprends dans mon atelier, enfin je vous prends aujourd'hui, j'avais pas encore fait de vidéo aujourd'hui, dans mon atelier pour un tuto. Donc il s'agit d'une, ce que j'appelle une grosse créa, d'accord? On va utiliser ce magnifique bloc de chez Action que j'ai en deux, voire peut-être trois, mais deux sûrs, qui est un vieux bloc, hein. Clairement, il date de 2015. Vous voyez, on est en 2024, il a presque 10 ans, il est collector. Ce sont des couleurs un peu flash, un peu ci, un peu ça, mais en vérité, la couverture reflète pas réellement les couleurs dedans, parce que les couleurs sont plus mates que ce qu'on voit sur la couverture. J'ai déjà préparé tout ça. Bien sûr, si vous n'avez pas ce bloc et vous serez nombreux à pas l'avoir, c'est normal, vous en prenez un autre. D'accord? Allez, on continue. Je vais aussi utiliser les feuilles de ces blocs Action. Alors, ce n'est pas forcément le même dessin dessus, mais les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Et pour une fois, je vais utiliser les feuilles noires très fines. Parce que moi, c'est des feuilles, les fines, dont j'ai un peu, comment vous dire, je me retrouve avec plein de blocs où en fait, il n'y a plus que les fines. Parce que je ne me sers que des épaisses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai dit, allez hop, l'autre jour, j'ai pris les 10 blanches fines d'un bloc. Ce n'était pas celui-là. Et bien là, j'ai pris les 10 blanches noires de ce bloc. Et j'ai déjà commencé à œuvrer. Et oui, tout en regardant une petite vidéo sympathique. Pour ce faire, j'ai pris une grande enveloppe. Mon enveloppe est très, très grande. J'ai une grande règle. Je vais l'attraper derrière vous. Je suis en pyjama. Mais pour être présentable, j'ai quand même... Je suis habillée sous mon pyjama. C'est une support... En tenue d'Ève, d'accord? Et puis j'ai mis un petit gilet pour le principe, mais c'est pas froid. Donc mon enveloppe est une très grande enveloppe puisqu'elle fait 32,5 par 23. Ok? 32,5 par 23. Plus ou moins. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avec cette règle, elle m'a donné 23, alors qu'avec l'autre, elle m'a donné 22,8, puisque c'est ce que j'ai noté. Bon, comptez. 22, 22,8, 22,9. Voilà. Évidemment, là encore, si vous n'avez pas la même grande enveloppe que moi, eh ben, vous vous adaptez à la vôtre. D'accord? J'ai marqué des plis sur mon enveloppe. Comment j'ai fait? J'avais pas mon massicot, j'ai pas mon massicot ici, qui marque les plis. Il est à la maison. J'ai pas non plus mon petit appareil pour marquer les plis. Enfin, peu importe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord plié mon enveloppe en deux, puis, je suis venue faire des plis en essayant d'être de façon un peu régulière à genre un centimètre du milieu en fait de part et d'autre. D'accord? C'est imaginer le milieu ici et j'ai essayé de plier à peu près un centimètre de chaque côté. Je me suis loupée à 2 mm près. Donc franchement, ça va. Ça va, puisque du coup, je me retrouve avec ici 15,5 et ici 15,3. Vous voyez, je me suis trompée de 2 mm. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. En plus, c'est sur la partie arrière, impeccable. D'accord? Donc, vous avez compris que j'ai centré deux plis, en fait. C'est ces deux-là qui comptent, hein, c'est pas l'autre. D'accord? Voilà, pour l'instant, ce que j'ai fait. J'ai aussi donc pris mes feuilles noires du bloc et je les ai toutes pliées très simplement en deux. Je n'ai pas découpé, je les ai juste pliées et je les ai mises par... J'ai fait deux paquets, en fait. Bah, j'en ai mis la 5 et la 5. OK? Très simplement. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai pris des mesures. D'accord? Évidemment. Donc, mes feuilles, à la base, elles font 21 par 29, 7. Donc, j'ai... Une fois pliées, en fait, on a une partie qui fait, évidemment, toujours 21. Et là, ça fait 14,8, plus ou moins. D'accord? Ça, c'est pour la taille de mes pages. D'accord? Ensuite, ici, de par la taille de mon enveloppe initiale, une fois que j'ai fait mes deux plis comme ça, centrés, hein, parce que le but du jeu, c'est que ça fasse un truc centré quand même. C'est pas grave, on voit mon pli là, mais on le verra plus à la fin. Donc, ça fait 15,5 par 22,8. Alors, l'idéal, ça aurait été que ça fasse 15,4 des deux côtés, mais... Comme je me suis un peu fourvoyée à 2 mm près, mais là encore, hein, j'ai fait sans mesure, j'ai fait à vue d'œil, donc écoutez, c'est pas si mal. Donc 15,3. Et la hauteur, la même, 22,8, 22,9. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Même si vous n'avez pas le même matériel, c'est important de prendre vos mesures de base. Vous les notez. Tac, tac. Moi, je les écris toujours sur ma base, en fait. Hein. De toute façon, on ne le verra plus à la fin. Et évidemment, normalement, si tout va bien, l'intérieur, c'est le même. D'accord? Donc voilà, j'ai pris déjà ces mesures-là. Et ce qui fait que j'ai été prendre mon bloc et dans mon bloc, j'ai découpé les morceaux dont j'ai besoin. À savoir, pour mettre ici, j'ai pris évidemment des morceaux qui font un demi-centimètre de moins. Je mens,
J'ai pas pris ça, j'ai fait 1 cm de moins. Donc, 21 par 14,8, j'ai pris 20 par 13,8 parce que je veux qu'on voie bien la partie noire. D'accord? Donc, c'est un matage avec 1 cm. Pour l'enveloppe, j'ai découpé 3 tailles. Je vais vous expliquer pourquoi. La troisième, je vous l'expliquerai après. Pour devant, j'ai découpé à 15 par 22,3. Là, cette fois-ci, je n'ai enlevé qu'un demi-centimètre. OK? D'accord? Ici, ça sera pour mettre là. Et ensuite, j'ai découpé pour la partie. Je me trompe, c'est ici. D'accord? J'en ai découpé deux comme ça. J'ai enlevé un demi-centimètre. Ça sera l'intérieur, l'extérieur. Et ici, bah pareil, ça sera l'arrière. J'ai enlevé un demi-centimètre. Et là, moi, ça me fait 14,8 par 22,3. D'accord? OK? Donc, voilà. Et pour une fois, je vais faire le côté symétrique des choses. OK? Donc là, on en est là. Donc, voilà, j'ai préparé tout ça. Ok, j'ai marqué à l'arrière pour pas me tromper, devant, derrière, patin, couffin, parce que je me connais. Et je vais d'ailleurs les remettre ensemble. Donc derrière, et là c'est devant. Donc voilà. Et ça c'est encore autre chose, on en parlera après. Donc là tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est tout ce que j'ai préparé au préalable. Vous voyez, je vous le raconte en 5-6 minutes. Ça m'a pris bien plus longtemps puisque j'ai regardé une vidéo qui a dû durer une bonne vingtaine de minutes. Et puis j'ai commencé à regarder un film. Donc je comptais au moins 30 à 40 minutes de préparation pour tout ça. La première chose, c'est de choisir vos papiers et votre support. Donc moi, l'enveloppe. Et ensuite, de faire les découpes. OK? Et de faire vos pliages et tout tati, tatata. OK, on en est là. J'avais pas rapatrié mon agrafeuse. Et moi, vous savez que ça y est, elle, je l'ai adoptée. Ah, oh, j'ai pas pris les agrafes. Ah, oh, si j'appelle ma fille, elle va me les amener ou pas? J'y crois pas. Oh, j'ai pas les agrafes, quelle bourrique. Elles sont pas là. Attendez, je vérifie dans mon bordel, mais. Bah non, elles sont pas là. Oh, quelle bourricasse. Oh, surtout que je fais venir ma fille deux fois. Est-ce que j'en aurai assez dedans? On va espérer. Alors, on va l'ouvrir. Ouais, il y en a assez. Il y en a assez. Donc, mon objectif, il est le suivant. Il est de venir agrafer ce que moi, je vais appeler mes petits feuillets. OK? Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc, je vais me faire quand même des petites marques. Histoire de ne pas faire n'importe quoi. N'importe comment. Alors, clairement, on n'est pas sur une invention. On n'est pas sur un truc de malade. Je vais être honnête avec vous. Je voulais utiliser une enveloppe récup. Et en fait, je ne pouvais pas pour ce que je n'ai pas. Je n'ai pas fait la récup que je dois faire sur l'enveloppe. Ouais, si. Voilà. Donc, du coup, bah, j'ai pris une enveloppe neuve, vierge. Comment on appelle ça, hein? Je sais pas. Voilà. Alors, mon objectif, c'est de faire des marques. Est-ce que ça va être utile? Je ne sais pas. Donc, on va faire comme ça. Je ne vais pas faire de marque. Je me suis fixée voilà, où je veux mettre mon feuillet. Très simplement. Je vais trouver le milieu. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre un trombone ou une pince. Hein, OK. On va essayer d'être un peu droit quand même. Du coup, on prend notre... on va y arriver, on va y arriver. Je vais trouver le mot. Notre agrafeuse magique. Donc, vous voyez là, par exemple, je ne suis plus droite du tout. Donc, je remets. Parce que mon objectif, c'est d'être quand même un peu centré avec là et avec là. D'accord? Bon, là, c'est pas très grave, mais là, oui. Donc, à peu près au même endroit, comme ceci. D'accord? Et cette fois-ci, je vais agrafer de. Non, je vais rester sur cette partie-là parce que ouais. Je vais rester comme ça pour être pour pas faire d'annerie. Donc une en bas. On vérifie qu'on est toujours droit et une en haut. Alors évidemment, j'aurais pu faire une couture comme normalement je le fais, mais en ce moment j'ai envie de faciliter. Donc voilà, donc je fais pas de couture en ce moment. Je viens me faciliter un peu la vie et c'est bien pour ça que j'ai investi, hein, sinon aucun intérêt. Donc j'en mets 4
Si j'avais mis, je vais être tout à fait honnête avec vous, si j'avais mis mes trombones pour tenir ou mes pinces, clairement, j'aurais agrafé de ce côté. Mais là, c'est pas grave, à la fin, je cacherai et puis c'est tout. D'accord? Alors, je suis en train de me dire que quand même, j'ai un petit écart de différence là. Ouais, un tout petit. Voilà, je suis à 1 demi-centimètre du bord. Pas du bord, mais du pli. D'accord? Voilà. Je suis à 1 demi-centimètre. Donc, je suis bien. Du coup, ici, eh ben, on va faire pareil. On va venir placer notre deuxième feuillet. Hein? Évidemment, on va le mettre après le pli. D'accord? Entre les deux plis, comme on a fait avec l'autre. Je reprends le milieu. J'ai dit le milieu et je suis pas du tout au milieu. Mais c'est quoi ce bazar? Je recommence. Hop, je prends le milieu. Là. Alors là, on est dans un style totalement différent. Je parle en termes de papier, évidemment, vous l'aurez compris, de ce que je peux faire habituellement parce qu'on n'est pas du tout dans du vintage. J'ai pas du tout l'intention de travailler ça de façon vintage. On est vraiment sur un truc hyper coloré. Et puis, bah, ça fait du bien, quoi. Très simplement. D'accord? Voilà. Hop. Eh ben écoutez, sans le faire exprès, parce que vraiment, j'ai pas du tout le compas dans l'œil, hein, comme fille. Voilà, eh ben, je suis plutôt pas loin de ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est plutôt sympa. Alors là, je vais tricher par contre. Et je vais pas tricher parce que de toute façon, je ne vois rien. Donc on y est. On se place comme ça. J'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est qui me gêne là? C'est quoi cette histoire? Hop, on regarde en dessous. On y est, c'est super. Et on en fait une deuxième. Et ici aussi. Voilà. D'accord, donc là j'ai agrafé de l'intérieur. Si vous voulez faire de l'extérieur, eh ben, vous voyez, j'étais plutôt presque en face. Voilà. C'est pas grave, ça se verra plus à la fin. D'accord? Dans le doute. On peut tout à fait venir à bien fermer ici nos agrafes, mais sachez qu'elles étaient déjà plutôt bien fermées parce qu'il y a assez peu d'épaisseur. Donc tout va bien. D'accord? Donc cette partie-là, c'est la partie extérieure et à l'intérieur, on a nos deux feuillets qui sont agrafés. Voilà. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos papiers. Alors déjà, pour la couverture, on va venir coller. Hein. Alors, j'ai mis mes patex à l'envers. Est-ce que ça a collé dans le bec ou pas? Devant, c'est bon. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vais pas m'enquiquiner à étaler parce que, très simplement, c'est un papier qui est très, très épais et que, donc, normalement, ça ne devrait pas gondoler. Voilà. C'est les premiers, enfin c'est les anciens blocs action, vraiment dans les premiers. Hein. Et honnêtement, ils sont bien épais. Ils sont plutôt mats, bien épais, un peu cassants. Pour les plis, ça c'est moins top. Mais voilà, moi je les utilise pas en pliage, donc je m'en fiche. Et les motifs sont super beaux, donc tout va bien. Voilà, comme quoi, hein, le temps passe vite parce que 2015 le bloc, franchement, je pensais pas qu'ils étaient si vieux ceux-là. Enfin, je pensais pas que c'était si vieux. Enfin, bref, ouais, je sais pas, mais ça passe. Hein. Voilà, d'accord. J'ai fait ici. Ça, c'est devant aussi. Donc, on reprend. Alors là, j'ai pas eu envie de mélanger les motifs sur les couvertures. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand même, j'ai envie que ce soit des motifs qui me correspondent quand même, hein, ou qui me plaisent. Même si c'est pas forcément pour moi. D'ailleurs, je suis même pas encore pour qui ce sera, mais. Peu importe, là c'est vraiment le plaisir de scraper. Un petit moment tranquillou avec vous. Rien d'extraordinaire. Je vous en ai sûrement déjà proposé. Et tant mieux. Ce sera jamais exactement pareil de. Parce que voilà, je fais jamais deux fois la même chose normalement dans ces grosses créas-là. Ça peut se ressembler parce que j'utilise les mêmes techniques ou parce que voilà, j'ai quand même mes petites habitudes, comme tout le monde. Mais voilà, c'est jamais les mêmes de toute façon. Et puis là, j'avais envie d'utiliser vraiment des couleurs
un peu voilà, gai, quoi, finalement. Parce que nous, on oscille entre la pluie, le soleil, la pluie et le soleil. Là, je voudrais du soleil tout le temps maintenant. Je vous dis franchement, je sais, je commande pas. Ça serait trop bien. En même temps, si je commandais, je l'ai toujours dit, je pense qu'on est nombreux à le penser, l'idéal, ce serait quand même la pluie quand on dort, c'est-à-dire la nuit, et puis le soleil le jour, quoi. Hein, ça serait l'idéal, ça. Comme ça, il n'y aurait pas le manque d'eau. Et d'un autre côté, ben, on serait tous de bonne humeur, on serait toujours tout le temps bien, parce qu'on a le soleil, voilà. Ces pays où il fait chaud, où il fait beau, en général, ce sont des gens qui sont de, voilà, de bonne disposition. Et puis dans les pays bah, plus gris, un peu moins de bonne disposition quand même, on va pas se mentir. Hein, je pense que ça aide. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, on passe à la partie arrière. Il faut bien que je fasse des choses avec vous. Hein. J'ai fait tout le reste toute seule. Là, je fais avec vous. Donc, pour cette partie-là, j'aurais pu coller avant, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, Kate a fait comme ça. Alors, cette partie-là, étant donné qu'on a quand même l'ouverture qui est ici, il ne va pas falloir aller coller jusqu'au bout. Non, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire une marque, très simplement. OK? Donc, imaginaire, la marque. D'accord? Donc, voilà, on va la faire là, à l'arrière. Et on ne va pas la faire imaginaire, on va juste, en fait, venir avec la colle, faire comme ça. Voilà. Hop, très simplement. J'ai été beaucoup plus loin, hein, parce que ça va... Ça se colle plus près. Mais je préfère que ce soit moins que plus. Voilà. Voilà. Donc, par contre, je colle ma partie là à l'arrière, mais je ne colle pas le rabat. Le rabat, je le laisse. Je le laisse. D'accord. Donc, on y va. Hop. Ce qui est chouette, c'est que du coup, on peut faire un joli petit matage vraiment léger. Et ça, c'est chouette. Mais on voit quand même le craft. Donc, ça, voilà, c'est important. Moi, j'aime bien quand même qu'on voie en fait la base, ce qu'on a utilisé en base. Je trouve que c'est important, ça fait partie de la création. Donc voilà, j'ai pas de problème à ce qu'on voit que c'était une enveloppe, qu'elle était en craft, et patati et patata, quoi. D'accord? Voilà, ça c'est fait, d'accord? Et maintenant, donc j'ai rabattu évidemment, et je viens mettre là le dernier morceau qui est ici à l'arrière. J'ai remis ma bouteille debout, donc elle va galérer à descendre la colle. Donc, vous voyez, juste de vous expliquer et coller. Et pourtant, on a collé 4 papiers, on a agrafé 2 feuillets. Vous voyez, 20 minutes. Donc, voilà, c'est une grosse créa qui prend un peu de temps. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai préparé de mon côté tranquillement parce que, voilà. Oh, après, je pense qu'en vous l'expliquant, ça suffit. Et évidemment, pour les nouveaux scrappers. Vous n'êtes scrapeux, enfin ouais, les nouveaux, les nouvelles, enfin, les nouveaux et les nouvelles, les nouvelles et les nouveaux, parce qu'en vrai, voilà, avec toute leur connerie de changer la langue française, à la base, on dit les filles d'abord, quoi, et les garçons après, point barre. Et donc, c'est les nouvelles et les nouveaux, c'est pas autrement. Qu'est-ce que je vous disais, je sais plus. Donc, n'hésitez pas, voilà, les nouvelles ou les nouveaux, s'il y en a, s'il y a des garçons, en tout cas, de à poser vos questions en commentaire. En général, les questions, j'y réponds, sauf quand bah, je les vois pas. C'est simple, si je ne vous réponds pas à une question, c'est que je ne l'ai pas vue. Je réponds toujours aux questions. D'ailleurs, je réponds en priorité aux questions, pour vous dire la vérité. Quand c'est des questions comme ça, sur des techniques, voilà, sur le scrap en lui-même, vraiment, quoi. OK? Donc voilà, exceptionnellement, j'ai mis recto et verso, devant et derrière, le même papier. Ça n'arrive pas souvent.
J'arrive pas souvent. Normalement, je joue toujours avec les motifs. Là, j'ai pas eu envie. D'accord. Allez, on continue. Donc, j'avais pas, je vous en avais parlé, mais je vous ai pas montré et je vous ai pas dit. J'ai découpé deux autres morceaux de papier dans les motifs du bloc. Alors, voilà, c'était les papiers qui étaient fragiles. S'il y a de la colle et qu'on essuie dessus, ça les flingue. C'est pas grave, on cachera. J'ai découpé deux autres morceaux, comme ceci, qui sont en fait très simplement à la même hauteur que donc mes morceaux de page, de recto et verso. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris ma hauteur qui était, vous vous rappelez, 22,8, 9, j'ai enlevé 5 mm. Et j'ai pris un peu moins en largeur, je crois que j'ai pris 13,5 au lieu de 15. Et très simplement, eh ben, je vais venir coller sur mon rabat. Ça, je fais ça souvent. Du coup, ça fait qu'on crée une pochette et on crée une autre page. Ok? Tu vas attendre 2 minutes, bébé, ça ne te dérange pas parce que j'étais en train de faire mon truc. Ok? Par contre, Ed, c'est quoi si tu veux aller me faire un déca, je veux bien. Regarde s'il reste des capsules de Lidl parce que franchement, les capsules que j'ai achetées à Pingodos, elles sont. C'est même pas Pingodos, c'était Inter d'ailleurs. Non, c'est Pingodos, je sais plus. Elles sont pas bonnes. Bon, vois si t'en trouves une de Lidl, sinon, bah tant pis, Pingodos. D'accord? Tu veux bien? Ça t'embête? Alors, voilà, ma petite est venue pour scraper avec moi. Donc, il faut que je lui fasse faire une petite activité en attendant. Cette activité, faire le café. Merindine. Non, je plaisante. Je suis absolument pas une merindine parce que je demande à ma fille de te faire un café. Ce serait pour d'autres choses, peut-être. Mais là, le café, non. Après tout. Voilà. Donc, j'ai collé comme ça. Et maintenant, je prends eh ben, mon autre feuille que très simplement, je viens coller sur la partie arrière. Oh, pétard. Mais elle est venue, mais il est un peu tard d'ailleurs pour qu'elle vienne, parce que demain on se lève tôt. Je suis en train de réfléchir. Hein. Oh là là, en même temps. Le problème, c'est que là, ça fait tard. Je vais devoir couper la vidéo et rentrer avec elle à la maison. Parce que d'habitude, le soir, on se fait des petits jeux de société rapides tels que puissance 4 ou des choses comme ça. Vous voyez, pour passer un petit moment calmos, tout en faisant un truc un peu ludique et un peu. Bah, cérébral quand même, hein, parce qu'il faut réfléchir. Donc voilà, on se fait des petits jeux comme ça. Mais là, ce soir, je vais découter. Là, ce soir, non. pas envie. Et donc, voilà. J'ai envie de calme, pour de vrai. Parce que voilà. En plus, elle ne pas perdre. Vous voyez quoi. Donc, je viens coller ici, sur cette partie-là. Je mets là pour bien voir. D'accord. On met bien bord à bord. Bon, elle n'aime pas perdre, mais elle gagne souvent, hein, ceci dit. Hein. Elle est assez cérébrale, pour le dire. Donc voilà. Elle réfléchit, elle est stratégique, etc. etc. Et puis, bah, justement, en faisant ces jeux-là, ça, ça développe un peu tout ça. La logique, la tactique, tout quoi. C'est le but, hein. C'est le but. En étant ludique, voilà. Aïe, j'ai collé sur mon enveloppe tout ce qu'il fallait coller sur l'enveloppe. C'est ce que sur l'enveloppe. Hein. Je referme ma colle et je la remets à l'envers. Donc, on a bien collé, on a bien tout mis. Vous voyez, ça nous fait un petit rabat sympathique et on a un petit peu de. Un petit battement. Je crois que j'avais dû laisser 1,5 cm pour le bord. Voilà, parce que c'est toujours bien de laisser un peu. D'accord? Voilà, on en est là. Maintenant, on a donc. Tous nos morceaux que j'avais découpés pour les pages noires, d'accord. Comment vous dire ça? Là, je ne procède pas du tout comme je le fais habituellement, hein, soyons très honnêtes. D'ailleurs, vous le savez si vous me suivez d'habitude. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes papiers et je vais retourner puisque je vais utiliser vraiment un côté de chaque dans la mesure où ça me convient. Ça me convient, d'accord. Donc, voilà. Il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, bah, il faut savoir aussi se faire violence.
Voilà. Du coup, là, je vais retourner et je vais garder celui-là. Je n'ai bien sûr pas découpé un morceau pour chaque feuille. C'était pas mon objectif. En fait, depuis tout à l'heure, je croyais que j'avais un truc sur mes pages blanches. Non, c'est sur l'écran. Alors, j'ai eu mon café et du coup, j'ai monnayé. et du coup, bah, je vais faire ce tuto en deux fois. D'accord? Donc, voilà. On en est déjà là. Alors, c'est vraiment des couleurs... moi, j'adore hein, les pois, les carreaux. Enfin, voilà. Et je voulais que ça tranche justement avec le noir. C'est pour ça que j'ai pris ça. Sinon, j'aurais pris craft, blanc ou que sais-je. OK? Donc... J'allais vous expliquer que donc j'ai retourné, vous avez vu, du coup, on va se retourner vraiment, retrouver, pardon, vraiment avec que des morceaux différents. Et c'était vraiment mon objectif. J'ai 20, sauf erreur de ma part, je vais vérifier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai donc 20 morceaux, mais ici, en réalité, j'ai 40 pages. D'accord? Donc, c'est fait exprès, puisque j'avais pas l'intention de couvrir toutes mes pages. Je veux que certaines pages restent comme elles sont. Tu peux rester, c'est pas grave si tu touches. Hein. D'accord? T'es où? Ok. Donc, évidemment, là, bon, bah, c'est pas fait exprès. Mais je ne vais pas mettre celle-là. Je mettrai à la place celle-ci. Non, d'ailleurs, je ne vais rien mettre. Celle-là, je vais la laisser comme ça. D'accord? Ici, je vais venir coller. Ouais, mais non, je ne vais pas mettre de ce côté. Voilà, je... Hein, d'accord? Donc, en fait, on va faire la chose suivante. Je vais laisser, genre, cette première vide ici. Je vais venir coller comme ça. Mais je ne vais pas la coller en totalité. Je vais faire une pochette. Je vais coller en U uniquement. Donc, oh, bah, je vais reprendre la Patex. Hein. Je vais prendre celle-là qui est plus pleine. Je galérerai peut-être un peu moins pour que ça. Non, non, ça, c'est le goulot total. Ça a collé. Non. C'est bon. Ok. Donc, je ne sais plus quel côté j'avais mis. Donc, Alors, évidemment, c'est pas la bouteille idéale, mais écoutez, on va s'ébrouiller avec ça. D'accord. Tac. Je colle en U. Ah, d'ailleurs, tiens, j'ai pas ma perfo. Si, alors je vais le faire avant. T'assois pas par terre, bébé, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le ménage comme il faut quand même. D'accord? Alors, j'ai pas ma perfo ronde, donc je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de me mettre plus ou moins au milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, on y est bien à peu près. Et je vais faire une encoche. D'accord? Vous la voyez? Et je vais donc venir maintenant mettre mon beau papier. Ok. Alors, c'est trompeur parce que comme j'ai les feuilles derrière, voilà, c'est, on n'est pas forcément droit. Là, j'y suis normalement. Donc, hop. Hop. Alors, elle a les mêmes problèmes que moi. Hein. Donc, elle tousse comme moi. On a toutes les deux ce petit problème allergique. Donc là, il faut que je trouve un allergologue. C'est pas une mince affaire. Et enfin, si, je sais où il y en a un. Mais c'est loin. Très, très loin. Très, très loin. Donc, bon, ouais, si c'est que lui, on trouve et qu'on trouve personne d'autre, on ira chez lui. Hein. Enfin, il faut qu'il ait de la place. C'est toujours pareil. Bref. C'est des aléas. Hein. Voilà, là j'ai vraiment mis trop de colle. J'ai un peu débordé tout ça, donc je camouflerai. Hein. Mais voilà, ici j'ai fait une pochette. D'ailleurs, si vous regardez, je n'ai pas cintré correctement mon encoche. D'accord? Donc ça c'est la première. Est-ce que j'ai ma gomme magique là? Ça peut être moi. Non, non, je ne m'en suis pas servie. D'ailleurs, j'en ai une neuve aussi que j'ai reçue de Barbara. Et je l'avais sorti, mais comme je j'oscille entre la maison et ici, oh non, j'ai remis debout. Bon, bref, voilà. Ouais, c'est pas grave. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici à l'arrière, je vais venir coller mon deuxième papier. Et bah écoutez, je vais en prendre un autre parce que ça m'embête de voir comme ça. Là, j'ai pas envie. Et celui-là, je vais venir faire l'encoche
ici sur le côté, d'accord? Donc 1, 2, 3, sauf que là on est un peu plus par là, donc ce serait plus par là. Non. Bon, je ne suis pas totalement au milieu. Hein, les... Est-ce qu'on ne se prendrait pas une petite règle? Alors, petite règle des familles. On est à 20, le milieu il est ici, donc j'étais pas loin ma foi. J'étais pas loin. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, je vais coller comme ça, tac, en U, dans ce sens-là. Ok? Voilà. Je vais bien sûr pas utiliser tous mes papiers à motifs de la même manière. C'est-à-dire que là, je crée des pochettes. Je peux très bien ne pas en créer. Voilà, je vais m'éclater comme ça. Ok? J'ai encore mis trop de colle. Alors, cette fois-ci, je fais avec le doigt. Hop, je recouche ma bouteille. Je vous ai mis un coup. Autant pour moi. J'ai pris un coup de bourre. Bizarre, cette histoire. Hop, j'arrive, bébé. Hein, d'accord? Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Sinon, j'aurais pas commencé le tuto, en fait. Parce que je pensais que tu étais avec Carla. Pour te dire la vérité. Tac. Oh, il flûte. Donc, ça, c'est fait. Ici, j'ai fait des cagades. Oh, c'est pas possible. Je voulais pas faire effet avec la tachyglue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces papiers sont très épais et l'autre est très fin. J'ai peur que ça fasse gondoler l'un et pas, enfin, ça aille pas, quoi. Très simplement. Donc voilà. Mais bon. Si besoin, il y aura la gomme magique, c'est pas un problème. Voilà, d'accord? Donc, on est d'accord? De ce côté, on a fait notre pochette en haut. Et là, on l'a fait sur le côté. D'accord? Ensuite, allez, on va laisser bien prendre. D'accord? Je vais laisser de nouveau une page, voire... ouais, une page ou deux. Bon, là, je vais en laisser une. D'accord. Je vais reprendre donc quel papier j'ai utilisé du coup. J'ai utilisé celui-là. Donc, il faut que j'utilise mon carreau. Et de l'autre côté, c'est celui-là. Donc là, par exemple, je vais mettre de ce côté celle-ci. Ou sinon, je vais sauter. Sinon, je mets ici et là. Parce que j'aime bien la combinaison des deux motifs aussi. Et cette fois-ci, très simplement, on fait en haut sur le côté. C'est une question qui est bonne. Bref, je ne sais pas, je verrai si je fais en haut ou sur le côté. Donc, vous voyez, je vais allier comme ça. Là, je vais ressauter une page, le centre, je vais le sauter. Je vais venir chercher donc un autre papier. Alors là, j'aime moins le... J'aime beaucoup moins la combinaison. Je me dirais, j'aime pas plus celle-là. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Donc là, je ferai ça. D'accord. Ensuite, je vais sauter de nouveau une petite page là. Je vais venir là. Parce que c'est des papiers qui sont assez compliqués à marier ensemble. Enfin... En vrai, non, c'est juste que moi, pour moi, ça l'est un peu. Pourtant, c'est ce qui va ensemble. Hein. Là, je mettrai là. Ici, je ne mettrai rien. Là, le rouge, il va venir là. Là, je vais laisser vide. Ici, je laisse vide. Je passe là. D'accord. Là, j'en ai deux. Je vais faire comme ça. Là, je n'ai pas sauté de page. Vous avez vu, il ne faut pas que ce soit toujours la même chose non plus. Ensuite, on va sauter une double page. On va continuer. Hop, ici. On va venir là. Et là, pourquoi pas. D'accord. Donc, il y en a qui seront en pochette. Il y en a qui seront en page, vraiment couverte. J'aviserai au fur et à mesure. Ici, je vais mettre ça. D'accord. Là, je vais mettre celle-là. Ah non, au milieu, j'ai... Oh, si, j'en ai pas mis sur le premier. Allez, je vais mettre là. Là, je prends ici, puis là.
je vais mettre là, très simplement. Et normalement, il m'en reste deux. Donc, on va mettre ça. Il m'en reste deux. Ouais, donc là. Ça tousse. Et là, celle-là, je vais la mettre là. Voilà. D'accord? Voilà comment je vais positionner toutes mes pages. Donc, je ne vais pas les coller toutes avec vous parce que sinon, on va prendre trop longtemps. Vous avez vu comment j'ai réfléchi mon collage. Et puis voilà, d'accord? Donc certaines vont être, comme je vous l'ai dit, en pochette en haut sur le côté. D'autres, je les collerai en plein, peut-être. Nous verrons ça. Donc pour vous, ça va être dans quelques secondes. Mais pour moi, ce sera probablement demain. Donc je coupe là cette première partie. Allez, je vous reprends, mais en vérité, je suis obligée de vous dire bonjour. Parce que ce n'est pas le même jour. Et oui, je vous ai fait la première partie de la vidéo hier. On est maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche 17 mars et il est 18h05. Je viens de finir de coller donc tous mes morceaux de papier à motif, si on peut appeler ça comme ça, d'accord? Donc, on va essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Je suis désolée, mais je galère un petit peu. Faut vraiment... J'organise mieux tout ça parce que là ça me saoule. Voilà, on est bien. Donc normalement, on est dans le bon sens. D'accord? Donc je vous montre rapidos. J'ai plein de poussière sur l'écran. Alors vous, ça ne vous gênera pas. Moi, un peu plus. Donc finalement, écoutez, alors hier, je n'ai pas nettoyé tout de suite. J'ai une petite trace de colle. Donc je camouflerai ça. Finalement, je les ai tous mis en pochette. Voilà, comme ça, c'est simple, c'est efficace. Voilà. Alors, la première, je l'avais faite avec vous ici. Puis derrière, j'avais fait donc la pochette ici. D'accord? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc là? Ouais, on va prendre un tag un peu épais. Allez, hop, j'en ai là. C'est parfait. Tiens, je vais les prendre en plus. On s'en servira. Donc, j'ai la première pochette ici. D'accord? Et la seconde là. Alors, je me suis un peu battue avec la colle. J'avoue parce que le papier noir, avec la colle, c'est compliqué. Une ici, une là. D'accord? Voilà. Ok, ensuite on laisse quelques pages noires parce que bon, les quelques pages, enfin elles auraient été blanches, c'était pareil, mais vous avez compris quoi. Donc, quelques pages sans rien. Ici une pochette, une autre là. Ensuite là rien, là une pochette. J'en profite hein, pour faire ça. De ce côté, j'ai vraiment utilisé en fait chaque motif du bloc. Donc ça c'est chouette parce que j'aime bien faire ça. Du coup, il n'y a vraiment qu'une page identique étant donné que tous les motifs sont différents. À part peut-être avec les couvertures. Ici, là, voilà, ok. Ici, là, là on n'a rien. Là, c'est mis sur le côté. Je vous avoue que j'ai regretté d'en avoir fait autant en haut. J'aurais dû en faire plus sur les côtés. C'est que je faisais ça en regardant un film. Et du coup, j'ai pas réfléchi en fait. Mais j'étais dans mon petit film, tranquillou. Un vieux film d'ailleurs. Voilà, tac. En haut toujours. Ici, en haut. Et en haut. Voilà, j'ai quelques traces de colle. Je vais vous l'avouer sans honte. Voilà, mon rabat. Ok. Et puis voilà, on en est là. Donc on va continuer tranquillement. Je me suis munie de tout un tas de d'embellissements que je vous ai fait tous en tuto. Ils sont là, d'accord? Tous. Donc j'ai par exemple ça, mais on le fera après. Donc là j'ai des ECR que je vous avais présentés. Donc non, c'était pas des ECR, c'était des embellissements tout simplement. D'accord? Que j'avais fait comme ça avec le, donc en fleurs et en poupettes. Très en épaisseur, on va pas se mentir. D'accord? J'ai pris cela. Tout ça, vous les avez. Hein. J'ai pris ça. Après, j'en ai pris comme ça avec des pages de livres, évidemment, hein, obligé. Voilà, etc. On continue, on va avancer. Hein, et puis, on avisera au fur et à mesure pour le papotage. Donc, concrètement, évidemment, j'ai besoin et j'ai envie d'en mettre plein. Donc, on va... C'est les chiens qui aboient. Tout à l'heure, j'appelais le chien, parce que vous savez que nous avons un chien et une chienne. Non, je ne vous l'ai jamais dit, c'est un mâle et une femelle. Et monsieur faisait celui qui boudait. Il m'a fait rire après, mais sur le coup, non, j'ai eu peur. Parce que j'ai cru qu'il était mouru, parce qu'il ne bougeait plus, le gars. Il avait décidé qu'il ne bougerait pas aujourd'hui. Voilà. Il est un peu rancunier, vingariste, on dit en portugais. Donc, je ne sais pas comment on le dit en français, là, ça, franchement, ça ne me vient pas. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je cherche? Ma colle. Ouais,
faut vraiment que je range. C'est pathétique là. Bon, on va faire avec celle-là. Alors, on va coller. Attendez, parce qu'elle est comme ça. Donc, on va coller comme ça. Comme si on faisait un coin en fait. Ici. Là. Le torchon, il n'est pas là. Et on vient mettre comme ça. J'ai commencé à préparer mes enveloppes pour février parce que vous savez qu'en fait, il faut que j'écrive mon adresse à l'arrière plus les adresses de ceux qui seront tirés au sort d'avant et ça prend un temps certain. Voilà. Donc ici, on va mettre ça. On va laisser sécher dans un premier temps. cette première page, j'ai envie de lui mettre... donc ça c'est vraiment des embellissements qu'on a fait ensemble en tuto hein, clairement celui-là peut-être pas ou alors non parce que ça va en condamner un du coup on va passer à un autre et si on mettait celui-ci voilà très simplement et on va le mettre en mode pochette parce que voilà. Dans ce type de création, il faut qu'il y ait des petits espaces partout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Dans ça aussi. Alors, donc, j'ai pris la All Purpose, comme ça, ça permet d'enlever les éventuelles, voilà, les éventuelles bavures et s'entacher. D'accord. C'était vraiment une mauvaise idée hier que de le prendre la colle à bois sur du papier noir, en tout cas. Voilà. Ok. On continue. Alors ici, vu que j'ai bavouillé des goulouilleux, eh ben, on va venir en coller un ici. Pareil, je vais le mettre encore une fois en pochette. Parce que moi, j'aime bien pouvoir glisser de tout partout. Par contre, j'y vais sans compter. Voilà, comme ça, ça cachera ma colle qui a bavé, que je ne vais pas gommer à temps. Et donc, disgracieux. Oh, j'ai fait une bêtise, les amis. Une bêtise. Ah, Carillon. Ah, bon, attendez. Chaque chose en son temps. Voilà, ça, c'est fait. La bêtise, c'est que tout simplement, j'ai posé la bouteille de colle ici sur mes embellissements. Évidemment, elle a coulé. J'en peux plus. C'est pas possible. Il y a toujours un truc. Pour venir me faire chier, pardon, hein, mais c'est ça. Hein. Et on perd du temps bêtement en plus. C'est nul, hein, c'est nul. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, on est bon. D'accord, donc lui, c'est vraiment, il est là pour camoufler les bavures. Et en même temps, il fait une très belle pochette. Voilà, d'accord. Impec. J'adore. Ouais, je me fais des auto-compliments. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous ne le saviez pas, hein, j'en doute. Ici, j'ai celui-ci que je vais venir placer là, très simplement. Alors, lui, par contre, c'est vraiment que... comment on peut dire ça? Non, j'ai fermé. C'est que pour faire beau, hein. Donc, en tout cas là, aujourd'hui, je vous le présente comme ça. Donc, hop, je viens le placer. Ah, putain. Ça fait un petit quelques jours que je ne vous ai pas fait de tuto embellissement. Hein. Il va falloir y remédier, hein. Vous êtes d'accord? Je suis sûre que oui. Voilà. Alors, je l'ai mis un peu bas. J'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais c'est pas grave. Tout va bien, d'accord? Donc, ça bouge, c'est rigolo. Alors, c'est pas parce qu'on a mis des papiers qu'on ne va plus rien mettre dessus, hein, mais pour l'instant, je m'occupe un petit peu de... ce que j'ai envie de dire mes pages unies qui n'ont rien et puis après on verra pour le reste. Après je vais pas non plus en mettre partout, il y a des pages que je vais laisser pour l'instant. C'est pénible cette... en fait je suis sur toutes, j'ai plein de bouteilles de colle qui sont vraiment en fin de à la fin. Et donc, ça m'embête d'aller en ouvrir et il faut les finir, quoi. Mais du coup, en tuto, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Hein, ça... Et on pourrait dire, c'est casse-pied. Voilà. Vous voyez, hop, on gomme et c'est parfait.
J'espère que mon nouveau Action ouvrira bientôt ici, là. Alors, il est quand même loin, hein, mais toujours plus près que Porto, clairement. Enfin, c'est même pas Porto, c'est après. Parce que franchement, voilà quoi. Hein. En plus, mon mari m'a fait bisquer hier. Il m'a dit, oh, je suis passée devant Action, j'ai pensé à toi. T'as pensé à moi, t'aurais pu y aller. Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord. Alors, là, c'est pareil, c'est des embellissements qu'on a fait. Hein. Alors, je ne vais pas vous remettre chaque tuto, chaque embellissement. Je vous mets la playlist des embellissements dans la barre d'infos. Et puis, à vous de vous amuser à y aller. Très honnêtement, ça reste facile à trouver. Hein. Et puis, ça vous permettra de faire des piqûres de rappel si besoin. Alors, celles-là, elles sont un peu grandes. Du coup, j'ai fait, je vais venir mettre... je vais mettre un tag. Et, ah bah, flûte. Et lui, je ne vais pas le coller totalement. Je vais juste coller comme ça sur un... j'aime bien dire un L, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. D'accord. Vous voyez, donc quand je vous dis que vos embellissements, ils servent à tout. Alors là, je m'en sers dans ça, dans une grosse créa. Mais bien sûr, ça va pour les petites créas aussi. D'accord. Donc, on continue. Ça aurait été sympa, là, mais ça ne ressort pas assez. Est-ce que celui-là ressortira plus? Bon, écoutez, pourquoi pas. D'accord. Donc voilà, ça c'est pareil. Fait maison. Ah, oh, c'est pas possible. Voilà. On le met ici, on appuie, on maintient. Voilà. Hein, voilà. En fait, c'est épais, donc ça, comme ça faisait un moment que c'était fait, ça avait pris une forme. Donc voilà. Tac, on continue. Il nous en reste pas mal, ma foi, on est bien. Donc j'ai déjà mis deux, je crois, sur. Alors je veux pas mettre tout le temps le même, donc la même chose, c'est ça que je veux dire. Donc évidemment, voilà quoi. Celui-là, est-ce qu'il ressortirait là, pas des masses? Ici déjà plus. Donc on va le mettre là. Oh, c'est pénible. Je prends sur moi de ne pas aller chercher une colle neuve. Mais il faut les finir, hein, c'est ça qui est terrible. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est chiantouille comme ça, mais voilà quoi, faut bien les terminer. Et bon, on va pas se mentir, en ce moment, je scrape pas toute seule beaucoup, hein, c'est toujours avec vous. Donc bon, bah, il n'y a pas de secret, quoi. Hein. On se met les galères des bouteilles de colle à finir ensemble, hein, que je vous dise. Voilà, donc pareil, on maintient. Ok, on continue. Donc maintenant, on va avancer. Je vais prendre dans mes embellissements faits récemment avec vous de ce style-là. Qu'est-ce qu'il me reste que j'avais préparé? Donc j'ai ça. Allez, celui-là, on va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là-dessus. Ça, j'en avais pris que deux. On peut peut-être en reprendre d'autres. S'il m'en reste, je ne sais même pas ce qu'il me reste, pour dire la vérité. Oui, j'en ai encore d'autres. Donc c'est bon. Tac. Allez, on y va. Donc il me reste celui-ci. Comment on se le met? Allez, on se le ferme. Voilà. Je n'ai même pas regardé si ça faisait bien ou pas, ma foi, c'est pas grave. Oh, allez, on va le mettre là. Donc là, après, on y cale des choses, évidemment. Hein, d'accord. On peut y caler des choses en dessous sans problème. À plusieurs endroits. Ok. 1, 2 et 3. Enfin, 3 là. D'accord. Voilà à quoi il sert celui-ci aussi. Enfin, ils servent un peu tous de la même façon, j'ai envie de dire. Il m'en reste un. Donc, je vais venir... Il y a plein d'endroits où j'ai rien mis. Donc, je vais venir en mettre des choses, justement. J'arrive vraiment à la fin. Tant mieux, parce que j'en ai marre de faire des fins de bouteilles, c'est particulièrement chiantouille. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais voilà, moi je trouve ça particulièrement gentil. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on est quand même sur quelque chose de un chouïa moderne par les coloris et un chouïa vintage par tout ce qu'on en aura mis en embellissement, en déco. Et vous verrez à la fin aussi en peaufinage. Un peaufinage. Donc il me reste ça que je veux utiliser en minimum. Au minimum. Donc là, j'ai encore des pages par là. Bah oui. Il me reste combien? Pas mal. Je sais pas. Non, c'est là la fin. Je perds la boule, moi. C'est là la fin. Donc, bah, par exemple, celle-ci, je pourrais prendre deux comme ça plutôt. J'en ai une autre ici. Et les mettre toutes les deux comme ça, je trouve ça très sympa aussi. Est-ce que ça va aller en le col? Non, ça va pas aller, ça va me saouler. Allez, on en prend un autre qui ne doit plus rien avoir du tout. Il est trop léger. Oh, c'est chiant. Là aussi, il n'y a plus rien. Bon, je vais chercher une colle. Voilà, j'ai été chercher une colle parce que là, c'était plus possible. Ok, donc l'avantage, c'est que ça coule vite, rapide, tout ça, tout ça. Bien. Donc hop, première pochette ici et la seconde comme ça. Youp. J'ai les mains pleines de colle. Voilà. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé mes encres parce que quand c'est les encres, c'est pareil. Voilà. Ensuite, j'ai ici un grand tag que, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre en L. Très simplement. Comme ça. Et écoutez, on est presque à la fin, hein. On est bien travaillé, on a bien travaillé. Ici, je vais prendre celui-ci, pareil, c'est un embellissement qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et je vais le mettre là et là, comme ça, la colle vraiment sur les bouts. Enfin, les bouts, vous avez compris quoi. Et hop, on colle là. Voilà, ça va être une longue vidéo. Hein, on change pas, hein, une équipe qui gagne. Et en ce moment, je ne fais que des longues vidéos, alors qu'avant, je vous en faisais des courtes, comme quoi. Hein. On peut tout, tout peut changer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une mise au point qui vient de m'arriver. Juste une mise au point, c'était de la chanson dont je parlais. Alors là, ça ne ressort pas des masses. On va le mettre quand même. D'accord, pareil, sur les bouts, comme ça. Alors, je vous avais fait plein de tutos d'embellissement. Je n'ai pas fini, mais c'est la plupart de mes séries. Et je les ai utilisées. Pire que ça, ce que je ne fais jamais. C'est-à-dire que j'utilise que quand je vous ai fait le short. Du coup, bah, je pense que dès que je pourrai, j'en referai. Puis, je vous ferai un short plus tard. Et puis, on fera la référence aux vidéos concernées. C'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça après. Hein. Donc, voilà. Je suis plutôt contente. Parce que, voilà, ça vous permet de voir comment utiliser ces magnifiques embellissements qu'on a fait ensemble. Et puis tout ça et tout ça et tout ça. Alors il y a cela, sauf que cela il me faut un picot. Est-ce que je l'ai ramené le picot? Non, bien sûr, c'était trop facile. Mais j'ai la machine magique. Alors par contre, ouais, magique et pas magique. Parce qu'en fait, je vais devoir passer à travers. Sauf si je mets sur une feuille noire, sur une feuille qui n'a pas de truc. Ça m'agace de préciser à chaque fois la couleur. Je ne sais pas pourquoi je fais. Et on va faire comme ça, très simplement. Tac, au pifomètre, oui, vous l'avez bien vu, c'est au pifomètre. Du coup, je reprends, j'allais dire trombone, absolument pas, mon attache parisienne. Je mets à l'arrière. Et j'avais préparé
ces petits embellissements pareil qu'on a fait ensemble. C'est un tuto fleur que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai pas fait de. Avant, je faisais des tutos fleurs toutes les semaines. Et là, cette année, pas des masses. Enfin, ça fait déjà bien un an ou deux. Et du coup, on va mettre notre fleur ici pour cacher. Ça va fixer notre trombone, le cacher. Et ça nous fait une petite déco. Et en plus, on peut y caler des choses. Voilà, c'est un peu chaud. On va laisser refroidir. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, j'ai pas mis ça. D'accord. Celui-ci, ça, je vais garder pour le deuxième feuillet. D'accord. J'ai mis de la colle. Comment j'ai fait mon compte? Du coup, j'ai sorti la gomme magique que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent de Barbara à Noël. Et elle est très grande, elle est super. Ouais. Elle est super. Tac. Ah, par ici, ça peut être sympa aussi. Alors, ça ressort pas trop. Moi, j'aime bien quand ça ressort. Est-ce qu'on n'y mettrait pas celui-ci? Ça ressort pas plus que ça, mais non. Ça me plaît pas. Je veux pas mettre trop d'épaisseur non plus. Enfin, vous voyez quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je peux faire ça aussi. Donc ça, c'est un tag. C'est peut-être un peu dommage d'utiliser comme ça quand même. Alors attendez, j'ai cet embellissement là que je vais coller ici dans un premier temps. Ça, c'est franchement des motifs que j'aime pas du tout, je vous le dis honnêtement. Mais voilà, ça va avec le style du bloc que j'ai décidé d'utiliser. Donc j'utilise un trait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Donc là, on va juste coller comme ça. J'ai mis beaucoup de colle. 6h30 déjà. Mais ça fait un petit moment que je suis là. Je m'éclate. Franchement, c'est l'éclate. Et du coup, je vais venir mettre pareil mon embellissement ici. Je vais le mettre en L aussi. Un cheval sur ça et là. D'accord, on ferme la colle. On prend le torchon. Voilà. J'adorerais pouvoir vous faire, enfin, je sais pas vous faire, mais me faire une grosse création par semaine. J'adorerais ça. J'adorerais faire, je sais pas, une série d'ATC toutes les semaines. Une grosse création. Et puis, deux, trois embellissements. Parce que voilà, les embellissements, c'est la vie, quoi. Franchement, j'adorerais. Donc, en ayant fait comme ça, ça me permet quoi? Ça me permet de pouvoir, bien sûr, mettre ici, au niveau de l'embellissement fait en feuille en page. Et en fait, ça continue. En fait, ce sont deux embellissements qui, du coup, font une seule pochette. D'accord? Voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Et puis, je trouve que ça fait joli. Ok. Alors, attendez, il faut que je me mouche encore une fois. Allez, je vous reprends. Maintenant, vous voyez, ça prend déjà pas mal. Hein. Donc, j'ai pris une boîte où j'ai plein de tags reçus de ci, de là. D'accord? Et très simplement, eh ben, je vais venir vous compléter un petit peu mes... remplir mes pochettes. J'ai fait qu'un seul feuillet avec vous parce que tout simplement, je ferai le second de la même façon. Voilà, c'est pas plus, pas moins. D'accord? Donc, je joue entre, vous voyez, un peu moderne, un peu vintage. Très simplement, vraiment sans... Là, j'ai des tags noirs. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai reçus, je pense, de Isa, alias Isa Créa. Il y a un petit moment déjà. Et donc, je les utilise. J'en suis très contente. Voilà, d'accord? On continue. Oh, il y a des belles images d'enfants. Je ne me rappelais pas que j'avais ça. Alors, il y a ces gros tags de chez Action là, qui sont tout en couleur. On va en profiter. On va venir en mettre un, par exemple, ici. Et je vais rattraper... Voilà, j'ai attrapé aussi tout un tas d'embellissements faits avec des pages de livres, hein, que vous avez aussi eu un tuto. Et voilà, très simplement, comme ça, on joue entre le vintage et le moderne. Je me répète.
Mais au moins c'est clair. Voilà. Ok, là on a une pochette. Donc. On peut aussi mettre des choses à l'arrière. On n'est pas obligé. Mais on peut. Donc du coup, moi je vais en mettre une. Voilà, pour mettre le côté vintage qui n'y était pas. Mais c'est peut-être pas le plus adapté celui-là. On met celui-là. Ouais, il passe difficilement. J'ai le pistolet à colle chaude allumé. Il est en train de chauffer de malade. J'ai que des grands. Bon, on va repartir sur notre ticket comme ça. C'est pas... Voilà. Ok. Ensuite, on continue. Donc là, je vais rien mettre pour l'instant. Ici, évidemment, on va s'amuser. Vous me direz. Hop. J'ai ces petits tickets qui sont très sympas. J'en ai plusieurs paquets, plusieurs blocs en vrai. Donc on utilise. Ah, on s'éclate. Là. Tac. On continue ici. Comme ça. Tac, tac. Voilà. Hop. Ok. Alors attendez parce que c'est en train de me... Ça a collé au milieu. Ah oui, j'ai eu peur. Oui, enfin, peur, tout est relatif, mais j'y crains. Ah, je me disais, j'ai un truc que j'utilise plus, c'est quoi? C'était métal. Et ben oui, ils sont devant moi pourtant. Hein. Oui, la chienne s'en donne à cœur joie. Tac. Alors, là, juste pour le fun. Hop. Un petit tag ou une image. Tac. Et j'aurais pu en rajouter même un ici. Parce qu'on en a un sympa là. Ouais. Avec les oiseaux. Alors bien sûr, moi je les ai mis comme ça, ça va tenir. On peut aussi mettre un trombone. D'accord. Voilà. Là, on a des fleurs. En ce moment, vous avez vu, hein, je suis vraiment dans les créas plutôt florales. Bon, ça fait un moment, mais trop grand. Mmh. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre là? J'ai encore des trucs, mais bon, je ne vais pas non plus tout mettre. Hein. Ah bah voilà. Oh, moi j'aime pas, ça ressort pas. Il faut que ça ressorte. D'où l'intérêt de mettre des astro épais. Alors là je peux. Non mais non. Tiens, ici ça ira très bien. Oui, là. Et là. Tiens, le même, mais. En noir. Voilà. Je vais pas rajouter les petits fils, mais hein, à l'occasion, ça peut être sympa de le faire. Ici, allez, on met de la couleur. Ça tranche, hein. Ça tranche. Ouais, allez, ça sera la page des gros tags. Voilà. On va quand même ajouter un petit peu le côté vintage pour casser un peu. Au moins là. Et là, d'accord. Là, attendez, j'ai été chercher d'autres embellissements faits maison, toujours dans les tutos, et un tag qui traînait que j'avais sûrement préparé pour une autre créa et que finalement j'ai pas utilisé. Et je trouve que ça peut être sympa, donc je vais enlever celui-là finalement et je vais plutôt jouer vraiment le côté. Ça ressort pas assez, ça m'embête.
pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que ça ressort pas assez. Et j'insiste, ça m'embête. Donc là, hop, on va mettre notre belle dame et le ticket comme ça. Ça ressort vraiment bien. Ici, après, j'ai aussi des petites images que je peux utiliser. Hein. Bon, elles sont peut-être un peu petites quand même. De toute façon, on arrive à la fin, c'est la dernière. Donc voilà. Ici, bon, écoutez, on va s'y mettre un gros truc comme ça. On va couper avec un comme ça. Et on va rajouter encore. Je mettrai bien ça. Parce que du coup, la couleur se marie avec l'embaissement qu'il y a là. Oui, bon, écoutez. Hein. Voilà. En termes de petit embellissement, tag et compagnie. Ok, donc on cale bien tout le monde. On n'hésite pas à mettre des flippettes ou à mettre des trombones. Hein. Là, moi, je n'en mets pas, mais voilà, n'hésitez pas. On a mis quand même pas mal de petites choses, c'est sympa. Moi, je suis plutôt contente. Voilà, ici, j'ai rien calé, mais on peut. Dans nos tags, évidemment, c'est pour que la personne qui ensuite utilise mette tout ce qu'elle veut dedans. Hein. On n'est pas obligé forcément d'y mettre nous des choses. Donc là, une fois qu'on a utilisé tous nos embellissements, on va passer à la phase des stickers. Parce que oui, j'ai envie d'utiliser des stickers pour décorer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, la deuxième partie sera faite de la même manière. Donc elle, je ne la ferai pas avec vous. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça, ce sont des stickers que j'ai pris sur Temu qui coûtent 1,15€, je crois. Vous voyez. Et là, c'est pareil, ce sont des stickers. Et puis ça va nous permettre de décorer un chouïa parce que ben, ça fait toujours sympa. Alors j'avais pris celui-là parce que je trouvais que le type allait ensemble. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à faire l'extérieur. D'accord, c'était des chiffres comme ça, c'est toujours sympa. C'est le deuxième bloc que j'utilise comme ça et je me suis éclatée avec le premier. Ah bah non, j'en ai enlevé deux. Vraiment, ah non, c'est pas un sticker ça. Je croyais que c'était sticker, je ne me rappelais plus. Non, c'est sticker ça. Ce sont des stickers, oui. Alors ici, je vais laisser comme ça, ça me convient. Là aussi, on a. Et du coup, on va prendre un ticket. Voilà comme ça. Ça rajoute un petit peu le côté vintage. Hein. Et voilà, sans mettre plus d'épaisseur. Parce que là, je pense qu'en termes d'épaisseur, on est pas mal. Je vais aussi en mettre parfois sur les pochettes qui sont créées. Voilà. C'est une partie que je mets rarement avec vous. Ça, et je pense qu'en fait, beaucoup de gens même le mettent rarement avec vous. Parce qu'on vous montre le final. Mais je trouve que ça peut être sympa de voir ça quand même. J'ai pas été droite, je crois, sur ce coup-là. Alors moi je scrape, donc je m'amuse et mon mari travaille. J'entends le tracteur. Voilà. Ici, pareil, on va y mettre quelque chose un petit peu en couleur, comme ça. Donc dans ces paquets de stickers, il y a entre 40 et 50 stickers. 45, 50, enfin, franchement, voilà. Et ils sont vraiment super. Donc, ils sont très fins. Ça va très bien. Moi, j'ai fait exprès d'acheter parce que vraiment, en fait, l'objectif, c'est quand on ne veut pas mettre d'épaisseur. Que de toute façon, quand je veux mettre de l'épaisseur, je passe les stickers en. Comment je vous ai en die cut. Hein. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. En tout cas, deux manières de faire, au moins. C'est sûr. Et donc, voilà. Là, c'est vraiment pour donner de la couleur. Un petit peu de style. Hein. On va pas dire autrement. Voilà, mes pages. Et puis après, on passe au truc suivant. Donc j'avoue, je n'en ai pas mis tant que ça. Je pensais en mettre un peu plus. Mais d'un autre côté, bah, quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Quoi, hein, non, franchement. Je vérifie. On ne va pas charger ou c'est déjà chargé. Quoi. Donc pour moi, c'est bon. Ce premier est fait. Donc, vous voyez qu'il va être balèze le truc. Donc on passe à la partie extérieure que d'habitude je fais avant. D'accord. Donc la partie extérieure, j'ai prévu très simplement 10 mètres. Alors
sur la tranche. J'ai prévu en fait de mettre la toile de jute qui est un peu large. C'est de la toile de jute à la base pour le jardin que j'avais acheté il y a très longtemps. D'accord. Ça va consolider en fait la partie ici. Et puis ça va faire qu'on ne se blessera pas non plus avec les agrafes. Très simplement. Voilà, c'est pas plus, c'est pas moins. Ok. Alors j'avoue que d'habitude je fais cette partie là que quand. Comment dire ça? Que quand. Avant de faire tout le remplissage. Mais bon, aujourd'hui, on fait différemment. Hein, et après tout, il n'y a pas de. D'obligation. Donc, attendez. Avant, on va couper à peu près la taille qu'il nous faut. Voilà. Ok. On va coller très simplement. Donc, à la colle chaude. Hein. Là, franchement, je m'enquiquine pas. Pour plein de raisons. Alors, je peux vous dire, va pas faire bon y toucher parce qu'elle est méga chaude. D'ailleurs, je suis sûre que vous voyez, ça fume. Vous voyez ou pas? Non? Aïe, je suis pas droite. Voilà. Et ensuite, eh ben, on fait pareil. Pour la partie ici. Impeccable. Et on fait pareil de ce côté. Donc moi c'est un pistolet à colle chaude qui est vraiment très chaud, qui chauffe vraiment beaucoup. Donc je peux vous dire qu'il est vraiment, enfin c'est vraiment très efficace, sauf que ben ça faut faire attention à la manipulation. Évidemment, on va couper tout ce qui dépasse. Normal. Voilà. On n'est pas dans le bon sens. Le bon sens, il est là, d'accord? Donc, vous voyez, on a fait notre tranche. Ça cache les agrafes et... Et puis bah, ça fait la tranche, quoi. Ah, j'ai un peu dépassé là, au niveau de la colle. Je vous montre. Cacahuètes. Alors, comment que je vais le cacher celui-là? Pour faire la beauté d'ici, j'avais prévu d'utiliser cette carte que j'ai fait en tuto il y a très longtemps avec vous. D'accord. Sauf que là, bah, il va falloir quand même cacher un peu cette merdouille là. Comment qu'on la cache, la merdouille hein? Si on la cachait en mettant un tag hein, en papier, enfin un tag ou autre chose, chez cela. Trop sympathique. Est-ce que ça va faire bien si on met ça ou pas? Pas plus que ça parce qu'il est un peu gros. Peut-être plus petit. Ouais, plus petit. C'est pour cacher ma colle. Hein. Oui, là, on est dans les réparations des conneries. Ah. Le truc, c'est qu'en fait, il faut juste un petit, mais voilà, quoi. Un petit. Un ticket comme ça, sinon on fait ça. Ouais, on va faire ça. Alors j'avais pas prévu de le mettre hein, très honnêtement, mais comme j'ai fait des cagades, et ben on répare. Voilà, donc on cache la misère à la colle chaude. Et ensuite, donc, je vais venir coller cette magnifique carte que vous retrouvez en tuto aussi dans la playlist des tutos cartes. Je vais utiliser ceci.
ceci que je vais doubler. J'ai peur que... Ouais, je vais doubler grand. D'accord. Donc, hop, on va mettre... non, c'est dans ce sens-là. Donc... Et ensuite, on en colle. Voilà, comme ça. Et alors pour l'arrière, et ben pareil, on va prendre de la cordelette, un bon morceau. Ok, alors j'ai pris beaucoup plus hein, parce qu'honnêtement je suis en freestyle, je sais pas franchement à la base comment que j'y vais. Et donc ça c'est l'arrière, mais l'arrière je vais cacher en mettant quoi? En mettant ouais, peut-être un petit embellissement comme ça. Est-ce que j'en ai dans le bon sens? Pas des masses, non? De toute façon, on va coller déjà la cordelette parce qu'on sait que c'est à peu près par là. Voilà. On va mettre, vous savez quoi, on va faire, on va utiliser un tac comme ça. Ok. Après, il y a la possibilité de mettre sous les papiers. Je le fais jamais. J'oublie tout le temps. C'est comme ça. Et là, je vais le mettre ici, très simplement. Mais je ne vais pas le mettre en pochette. Je vais le mettre vraiment en déco. Voilà. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre cette vidéo pour aujourd'hui, vu qu'il est déjà quasiment 7 heures. Qu'il va falloir que je fasse un montage, puisqu'il faut que je colle les deux morceaux de vidéo ensemble. C'est une vidéo qui donc va faire plus d'une heure. Et ensuite, il faut que je la charge sur YouTube. C'est pas gagné. Donc là, je coupe comme ça. Je garde mes petites chutes. Est-ce qu'on se mettrait pas des petits stickers pour faire rappel ou pas? Ça peut être sympa quand même si on prend un petit ticket. Un petit ticket comme ça, là. Alors, ça va ressortir, cette histoire. Ça peut être sympa. Trop grand. Un plus petit. Allez, un plus petit comme ça. Deux os peut-être. J'aime pas la couleur, elle ressort trop par rapport à la carte. Ce serait plutôt dans ces tons-là. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Donc, il va me rester le deuxième feuillet à remplir comme je l'ai fait pour le premier. Là, vraiment, celle qui recevra ce junk, n'est-ce pas? Eh bien, clairement, elle va recevoir un truc très très rempli. Hein. On fait le nœud. À la fin, il va être balèze. Voilà, j'en ai peut-être trop mis. Hein. Je sais pas. Voilà, alors je vais laisser comme ça. Clairement, je n'ai pas mis de coin. On pourrait mettre des coins, hein, on pourrait les faire en papier même. Mais voilà, moi j'aime bien quand je fais des junk m'éclater au plus simple. Alors je mettrais bien un truc là aussi, parce que j'avoue que ça fait un peu vidéo l'histoire.
Qu'est-ce qu'on a là? Et si on met ça? Ouais. Attendez, on va voir si ça fait bien. Un gris dans la longueur. Ça flash trop. Plutôt comme ça. Et si je reprends un ticket de mes tickets comme ça. Bon, ça fait too much. Too much. Donc je vais faire ça. Aujourd'hui, vous avez vu, j'aurais pas fait trop de fleurs. Alors c'est pareil. Hein. En fait, moi je sais pas vous, mais moi je fonctionne par période. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va faire plein de tamponnages, il y a des fois où on va faire plein de découpes, il y a des fois on va faire plein de pliages, puis il y a des fois où on va partir sur des choses autres comme là, quoi. Donc après, voilà, chacun va midi à sa porte. Je vous présenterai le junk totalement terminé en vidéo pour ceux que ça intéressera. Et puis voilà, très simplement, parce que voilà, je vais clairement y apporter probablement, enfin, je vais clairement y apporter bref, des modifications, des choses et des machins. Ouais, j'ai rajouté, parce que sinon, vous voyez, ça faisait trop le rouge, ça me plaisait pas. Donc voilà pour la couverture, d'accord, la tranche, la partie arrière, ok. Et puis donc, vous avez vu l'intérieur. Moi, je suis plutôt très contente. Donc là, on a le premier feuillet qui est blindé. Et je vais faire le deuxième feuillet. Et puis voilà, grande éclate. Un bon moment de scrap. Donc, on est à plus d'une heure de vidéo. Comptez que je suis à peu près à... je vais débrancher mon pistolet à colle chaude. Je pense que je suis à plus de... avec tous les collages et tout qui quanti, ouais, vous comptez 3 heures là, sans le deuxième feuillet, sachant que tous mes embellissements étaient déjà faits. Parce que bien sûr, s'il faut les faire, on n'est plus du tout à 3 heures. Hein, d'accord? C'est vraiment des créas. C'est pour ça que j'appelle ça des grosses créations. Parce que l'air de rien, moi, quand je les fais avec vous, c'est de l'assemblage. Mais en fait, ça prend pas mal de temps. Voilà, cette création est terminée. Je suis très contente. Voilà. Sachez que cette année, mon objectif est de. Je vous le dis. Évidemment, en dehors des défis qui, où il y a des gens qui sont tirés au sort et qui donc tous les mois reçoivent. Mes ATC à moi, j'ai envie cette année au moins, alors je sais pas si j'arriverai à le faire une fois par mois ou une fois tous les deux mois, je vais voir ce que j'arrive à faire, ou peut-être tous les trois mois, mais de faire plaisir à quelqu'un qui aime le junk et à qui je, voilà, j'enverrai un junk. Évidemment, je vous préviendrai pas à l'avance, après certaines savent déjà qu'elles doivent recevoir des choses, donc elles peuvent y penser, mais voilà, je préviendrai pas à l'avance, sera la surprise, et je vous dirai pas forcément. Voilà, juste la personne qui le recevra le saura. Mais je vais, après, je ne vais pas vous mentir. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, clairement, vous ne ferez pas tout de suite partie de ces gens-là. Parce qu'en fait, j'essaie de, à ma manière, de remercier tous ceux qui ont été depuis plusieurs années, soit dans mes commentaires, soit dans ma boîte mail, soit même dans ma boîte postale, tout simplement. Et elles ont été très nombreuses. J'arriverai jamais à remercier tout le monde. Mais voilà, si je peux réussir à faire quelques personnes, ça me fera déjà bien plaisir à moi. Et puis surtout, j'ai des gens à qui je dois envoyer des choses depuis un moment et je tiens à le faire. Voilà, ma petite grosse création du jour est faite. J'espère que ça vous inspirera. Rien de compliqué, franchement, au contraire. Mais c'est encore une fois une manière de se motiver, de se dire, allez, aujourd'hui, je scrap, je prends une enveloppe et j'y vais. Faites en récup au maximum, ce sera l'idéal. On a utilisé un grand nombre de nos embellissements faits maison. Donc voilà, ça vous montre aussi comment les utiliser. Parce que vous êtes souvent, j'ai souvent des gens qui me disent, mais comment les utiliser? Voilà, vous avez la réponse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en espérant que cette vidéo arrivera aujourd'hui dans vos mails.